Eh bien salut à tous, c'est Corzif, aujourd'hui on se retrouve sur Cariz Drift Racing Online. Ça fait un petit moment qu'on en a pas fait et ça fait plaisir. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu le titre, on va jouer avec le camber. Ça va faire un peu écho avec Il faut que ça frotte mais en version un peu plus extrême. Et bien sûr c'est une vidéo Cariz, donc je suis accompagné de mon acolyte Speeder. Bien bonjour monsieur Speeder. Bonsoir, itadakimasu. Itadakimasu. Du coup, le petit camber, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, l'angle de la roue, en fait. Le carrossage, voilà, tout simplement. Le bon carrossage, comme on appelle ça. Quand vous avez un carrossage négatif, la roue haut et bas, la partie du haut, en négatif, rentre dans la voiture, et en positif, sort de la voiture. Bon, là, en général, le style qu'on a d'habitude, c'est dans le stance, avec le carrossage qui est rentré, donc négatif. Et là, le but du jeu, ça va être faire la config où il y a le plus de carrossage possible. C'est-à-dire vraiment, il y en a au Japon qui font des trucs, c'est vraiment que ça. Genre, ils roulent sur 2 cm de bande de gomme. C'est n'importe quoi. Genre, vraiment, c'est des trucs, genre, ils font 1 km, le pneu est mort. Combien on voulait du camber? Oui. ouais, je veux bien. Donc comme je disais, ça va faire un peu l'écho à Il faut que ça frotte, sauf que là c'est même pas la caisse qui va frotter, là c'est comme tu dis, c'est le bas moteur qui va frotter. C'est le moteur entier, c'est les rétroviseurs qui vont toujours plus, les rétros qui frottent. Déjà, quel type de pneu on va mettre? Est-ce qu'on met du 120? Attends, c'est quelle voiture qu'il faut prendre? Bah moi je t'avoue, j'aime bien la Merco de Flic. La Cobra, c'est ça? Je crois que c'est ça, ouais. Je dépense 1 million pour l'acheter, ouais. J'espère que c'est ça, hein. Oui, c'est ça, c'est la Cobra. Dans le kit carrosserie. Oui, elle a bien un truc de flic. Donc, on va le mettre en ultimate. On est parti pour les modifications. Faudrait que tu me donnes aussi, du coup, tout ce qu'il faut comme... Est-ce que je peux t'envoyer les réglages? Ah. Si tu te gourres pas cette fois-ci de voiture. C'est arrivé, tu n'as pas partagé le bon réglage. Bon, écoute, moi, je vais la pimper en attendant. Et puis, je vais voir ce que je fais. Le kit carrosserie, il n'y en a pas. Il n'y a que le truc de flic, du coup. C'est un peu... Mais en fait, on peut rien faire dessus. Ouais, c'est pas grave. Moi, j'ai juste rabaissé et j'ai mis des jantes sympas. C'est un peu décevant qu'on peut pas mettre... Ouais, c'est décevant. C'est décevant, tout simplement. Mais tu peux teinter les phares. Ah bah, hé. Bah alors, si on peut teinter les phares... Alors là, j'ai... écoutez, ça va être vite fait le tuning, ça va être à base de jantes. Yes! Écoute, j'ai bien envie de tenter des jantes dans ce style-là, ça fait un peu. Ça fait un peu nédard. Mais bouge-toi là, je te donne le code! Ouais, bah attends, bah c'est bon là! Oh, hey, oh! Alors, 3, 3, 9. 4, 4, 8. 6, 9, 0. 5, 4, 3. 7, 19. 8, 81. Et les trois derniers, c'est comme tu veux. D'accord. je suppose qu'il y a 904. Plus rien, 904. Devine. Devine. Alors, hein, c'est combien? T'as trouvé? Alors, ou t'as pas trouvé, hein? Low gang. Oh, la vache. Bah oui. Moi, je fais des beaux réglages. En fonction de tes... Ah bah non, les gens, tu vas te les mettre de la taille, donc c'est parfait. C'est un peu... mais à l'arrière, c'est quoi, ça? Tu sais combien t'as à l'arrière? T'as moins 22, et après, ça fait des trucs bizarres. Attends, je vais aller voir ça. Mais le truc. Ça fait que changer. Il y a des micros qui font... Vraiment, t'es pas prêt. Moins 18 à l'avant et moins 22 à l'arrière. T'es vraiment pas prêt. Tu vas te chier dessus quand tu vas rouler avec. Mais on a l'impression... Monsieur... c'est cassé là, monsieur, là. Là, monsieur, là, la voiture, elle la casse, hein. Faut changer les cieux, là. Mais il y a combien qui touche... Mais il y a que dalle qui touche le sol, là. Ah bah attends, tu verras quand tu vas rouler. Mais quand je disais 2 cm tout à l'heure, mais là c'est le cas. Genre il y a 2 cm qui touchent là derrière. Là il y a rien en fait, tu mets une feuille en dessous et se fait arracher. Hein. Une fois de plus, hein, je suis toujours dans savoir comment la peindre. On va faire la bonne technique de Google. Ok, donne-moi une couleur aléatoire. Bleu outre-mer. Mais attends, mais c'est tout le temps les mêmes couleurs qu'il y a, donne. Je suis sûr que si je lui redemande une autre, elle va me dire verser là donc. Google, donne-moi une autre couleur. J'ai un faible pour le bleu outre-mer. Il donne envie de prendre le large. What the fuck? Okay, ça Google. Fait flipper ton truc. Donne-moi une autre couleur. Donne envie de prendre le large. J'ai un faible pour le bleu outre-mer. J'ai une autre couleur, je dis. Donne-moi une couleur aléatoire. J'ai un faible pour le bleu outre-mer. Mais il donne envie de prendre le large. Mais sous ma gueule. Une autre.
J'ai un faible pour le bleu outre-mer. Mais il donne envie de prendre le large. Bah écoute, on va suivre la forceuse. Bah Google, t'es une forceuse. C'est quoi ce forcing de Google là? Vous avez quoi, Google? Vous avez quoi contre le bleu outre... Enfin, vous avez quoi avec le bleu outre-mer? Ouais, c'est un bleu foncé quoi. C'est un bleu comme ça quoi, genre c'est... Voilà. Bon bah bleu outre-mer, on est parti pour un bleu outre-mer. Normalement les jantes, je vais les mettre en chromé hein. Mais la roue a vibre. Elle a du mal à porter son propre poids la voiture. C'est normal. Le bleu il rend pas ouf hein. Je vais voir si je la mets dans une autre couleur genre en... Ah, en métallique c'est mieux. Ah ouais, en métallique c'est mieux, effectivement. Bon bah sinon on va mettre des stickers hein, parce que c'est un peu vite tout ça hein. Y'a pas un vinyle un peu gang là à mettre sur l'arrière? C'est gang. Ça c'est gang. Bah moi j'en ai un qui est super gang, que je mets tout le temps. Non, pas ton squishy de merde. Alors c'est... Déjà tu parles mieux de squishy, déjà pour commencer. Ouais, il est trop bien squishy, j'adore. Bah merci déjà. Oh là là, et moi je te parlais d'un autre. Tu te parlais de celui que je suis en train de mettre. Non, je te parle. Mais déjà tu. Mais je t'ai dit de parler mieux de squishy déjà. Ah moi, je te parle. Squishy. Non. De merde. Et on va s'énerver tous les deux hein. Comment ça? Bah je vais te taper très fort le visage. Et si j'ai pas de visage, tu fais comment? Bah je. Ah merde. Ah bah ouais. Ah là tu sais pas quoi faire. Mais non, mais je parlais les chevaliers des néants. Ok, bah écoute, moi ça va être bon, il me reste plus qu'à mettre El Famoso. Pour terminer, le petit squishy. C'est de la merde. Hein. Quoi? Hein? T'as dit quelque chose? Je me dis, tu t'attendais, mec, j'ai fini. Ah, cool. Ah, j'avais peur que tu dises des dingueries à propos de squishy, c'est pour ça. C'est qui ça? J'ai jamais entendu parler de squishy. Bah non, bah, je pense pas. À aucun moment, je pourrais me permettre de bah, faire bah, des... franchement, je me suis dit, non, jamais il pourrait. Donc, non, c'est pas possible. Non, alors, j'ai du mal à comprendre. Comment je le déteste quoi, c'est à 100% mec, c'est impossible. Je vais te taper. Quoi? Hein? De quoi? J'ai entendu un truc que t'avais... Hein? Mais je pense que j'ai mal entendu. Je pense aussi, tu sais en ce moment ouais, ça bug pas mal Discord, tu vois. Ah, Discord c'est vraiment de la merde hein. Ouais, relou hein. Ouais. Quoi? Attends quoi? J'entends que ça frotte. Genre je roule à peine, ça frotte ça. Non, c'est pas ça, c'est pas... Ça dérange frérot. Pop and bang. Juste voir un peu ce qui touche. Eh ben pas grand chose. C'est le bord du pneu qui touche. Il est tout déformé le pneu. Ok, qu'est-ce que ça donne niveau drift tout ça? Bah tu verras. Oh la vache. Oh la vache. Ah ouais. Ouah. Ah ouais, non mais c'est... Ah oui, bah là, du coup, il faut que ça frotte, il faut que ça frotte V2, quoi. Genre, vraiment... Attends, parce que y a moyen que ça décolle, des fois. Mais mec, ça tourne plus. Ouah. Mais ça a du mal à tourner tellement que... En fait, la voiture, ça fait ferraille, en fait. Genre, réellement. Ah oui, mais là, en plus, la manette, ça te vibre colle à la dans tous les sens. Ouais, là, la manette, elle vibre... Là, les piles, en 2 secondes, dans un quart d'heure, j'ai plus de piles. Mais après ça, mais t'as limé ton châssis entier quoi. C'est fini. Ah ça fait déjà 207 km que je fais avec, toujours pas limé. Hein. Ouais, mais ça, c'est un jeu vidéo. IRL, tu fais ça, c'est bon. Enfin, c'est des voitures à usage unique en fait. C'est fini. C'est ça. Des voitures jetables. Bonjour. Ce qui a passé saut là. Waouh. Oh, c'est bon, ça repart. Oh la vache. Waouh. Il y a moins que ça décolle un peu des fois. Mais faut pas avoir peur, c'est normal. Oh là là. C'est n'importe quoi. Et dans Forza Motorsport, on faisait les réglages de speeder, bah là on est dedans là. Mais des fois elle a des moments random où elle grippe. Ça aime pas en fait les changements de surface. Ouais c'est ça, dès qu'il y a un changement de surface c'est la merde. Non mais même le petit trottoir tu sautes. Il est tout petit le trottoir. Genre mais t'as ça en vrai, faut pas de dodane hein, c'est fini hein. Genre tu... Ah, on passe par dessous. Ah, pas de limbo, c'est que je te pousse de l'autre côté. Ah oui, tente. Attention. Tu as celui qui va te coincer. Oh putain, ça a rien fait. Mais ça alors rien fait du tout. On abandonne pas. Je même pas d'un petit poil les gens. Ça fait avoir rien. La planche à pain quoi. Là c'est méga méga planche à pain. Ah là, ouais, là, c'est pain plus plus, là. Mais t'as vu, mon fitment, il est bien.
Mais de fou, je vois la roue à l'avant quand tu driftes, genre vraiment, ouais, ouais. Elle est penchée, mais elle est bien, tu vois, genre. Ouais, elle clip pas, tu vois, c'est nickel. Non, clairement, t'as géré, là. C'est la voiture la plus basse du jeu. Parce que là, elle est rehaussée à l'avant. Ah ouais. Parce que j'ai essayé de la baisser à fond, et à fond, en fait, elle ne roule pas. C'est la première voiture au monde où t'as un grip au châssis. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a presque 1000 chevaux dedans, quoi, tu vois. Bah, tu les sens pas, du coup, les 1000 chevaux. Ah non, tu sens rien du tout. Ça frotte tellement que... Là, tu que ça ralentit la voiture. Tu me dis qu'elle a 200 chevaux, je te crois. Hein. Faut que je fasse écouter aux gens les vibrations que ça procure. Je vais mettre sur le micro. Ah, voilà. C'est non-stop. J'ai hein. D'avoir des fourmis dans les mains à force. Ah bah là, ouais, moi je commence là. Mais t'as des étincelles à l'intérieur. Ça traverse le plancher. Ça y est, j'ai atteint le plancher. Ouais, j'ai clippé. Attends, je suis dans le sol et tout. Je suis mis en caméra cinématique, comme ça on voit bien. Oh la vache! Vas-y, je enlève l'interface. Wouah, 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 wouah! Oh là là! Oh. J'ai pris un air, mon gars! Wouah, wouah, wouah! Oh merde! Je regarde en arrière! J'ai tellement hâte de jouer à Carrick Street sur console, en espérant qu'il arrive d'ici la fin d'année normalement. J'ai pas un PC assez puissant pour pouvoir vous jouer et rec en même temps, donc voilà. Voilà pourquoi il n'y a pas de vidéo sur Carrick Street, malheureusement. J'ai à peine la voiture en tête, niveau maniabilité. Là, ça va être le zbeul, hein. Des fois, tu vois, elle va te faire des décollages. Là, tu vois, hop là, petit décollage. Wow. Attends, j'aime bien me mettre en caméra dynamique. À deux doigts de renommer la vidéo, il faut que ça frotte V2. Hein. Ah bah là. Parce que là, pour le coup, il faut que ça frotte. Ça frottait, mais ça allait, tu vois. Mais là, c'est on ponce le châssis, là. Mais tu sais que le pire, c'est que je l'avais gardée, cette voiture. Elle existait déjà, hein, quand t'avais sorti la première vidéo. Bah ouais. Attends, déjà, j'arrive pas à te suivre. Ah, moi, j'ai du mal, j'ai l'air de me suivre donc t'inquiète. T'as du mal à te suivre toi-même, ok, bon ça va alors. Ouais, moi j'en chie avec la manette. Puis ça vibre tellement, là je sens plus mes doigts. Moi ça va encore. Là, moi j'ai une manette 3-6, hein. La manette 3-6, ils sont vénères. Ils sont vénères, les vibrations. Wouah. C'est bon, ça passe. C'est par où. Ah, j'étais perdu. Par là. Bah non, c'est pas le moment de faire du off-road. Elle fait même pas du road tout court. Parce qu'en parlant de ça. Comment ça, tu peux rester bloqué avec cette voiture. Tu peux rester bloqué. Là, je peux plus. Là, je peux plus rien faire. Ah ouais. Bah, c'était bien. Enfin, bah, on va rester là. Bah, c'était bien. Ah, elle est bien. C'est un bon build. En vrai, c'est rigolo, oui. Oui, je valide le build de fou. Parce qu'en plus, il est bien fait. Il est bien équilibré. Ça se conduit bien. C'est juste après, c'est juste rigolo, quoi. Ah mais tu te rends pas compte le nombre d'essais que j'ai dû faire pour voir que ça tournait encore et tout. Parce que des fois c'était des millimètres hein. Tu descendais de 0-1 et la voiture elle roulait plus ou sinon elle freinait sans raison. Là c'est... J'ai gagné un championnat de Formula avec celui-là. Genre t'as réussi à faire du top 32 avec ça. J'ai fait un top 32 avec celle-là, j'ai gagné un top 32 avec celle-là. Mais ça descend ça monsieur. C'était horrible. En fait j'étais trop lent et du coup les gens n'arrivaient pas à me suivre. Bah tu m'étonnes. J'ai envie de faire le saut du circuit de East Touguay. J'ai envie. Le saut ça va être n'importe quoi. Wouah. J'ai vu que je me suis approché beaucoup trop vite de toi. J'ai vu les yeux de ton pilote s'écarquiller en mode oh fuck. Allez, cette fois-ci on le rate pas. Oh putain. Wow. Oh nickel. Ouais, mais il était un peu raté quand même hein. Parce que je me suis pris le vibreur juste avant, ça m'a un peu fait partir dans tous les sens. Mais les reverse que tu peux taper avec cette voiture, c'est incroyable. Regarde, t'arrives comme ça, hop, troisième, nickel, hop là. Mais oui, c'est ça en fait, tu spins même pas. Genre, ma manette, je suis à fond quoi. Elle s'en fout la voiture. Oh là. Hop là, oh, presque un 3-6. Oh, presque le 3-6. J'ai tapé, mais.
Hop là. Ça a à peine sauté. C'était nul. Ah, c'était décevant. Ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. C'était très drôle. Oh. Ouh. Hey. Putain la vache. On s'est posé. Attends. Parfait. Voilà. Là, c'est Camber Gang. Là, on est bien, Camber Gang. Voilà, c'était le petit délire qu'on a envie de se taper. Mettre le maximum de Camber. Je sais que c'était aussi un peu le domaine quand même de la Speeder. Donc, c'était vraiment une bonne idée. Le domaine, même IRL, il le fait sur sa Miata. le mec, c'est Monsieur Camber. Donc, clairement, voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger son réglage. Du coup, vous avez le code. Si vous avez envie de vous amuser, faire quelques étincelles. Et puis, par la même occasion, limer le... Ah, puis en vrai, on s'est pété que 3 côtes, quoi, ça va. Ouais, en vrai, ça va. Si vous voulez limer une Mercedes, c'est le meilleur moyen. Ça reste confortable, quoi. Ça reste confortable, c'est bon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci à toi, Speeder, de m'avoir accompagné sur cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le manifester avec un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est très important. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était Corsif. Salut.